Voilà. C'est bon là. Ouais, c'est bon. Punk. Du coup, le punk, comment ça fonctionne? Bah, c'est des monstres qui vont principalement faire des invocations d'extra deck, en particulier des synchros, étant donné que tous les petits ici sont des tuneurs. Il y en a 4 en l'occurrence des petits, il y a 3 des tuneurs de niveau 3. Chacun d'entre eux a son propre effet. Il y a Amin qui permet d'aller chercher des monstres. Il y a Spider qui permet d'aller chercher des pièges. Il y a Wagon qui permet d'aller chercher des magies. Et il y a Sharakusai qui permet en gros de faire des fusions pendant votre tour et des synchros pendant le tour adverse. Donc ça, c'est les quatre petits monstres. Derrière, ils ont tous aussi généralement un effet supplémentaire. Je vous conseille de les lire, les effets supplémentaires, en particulier Wagon, qui permettent de piocher une carte lorsqu'un monstre punk se fait cibler par un effet de carte ou par une attaque. Mais grosso modo, les autres effets ne sont pas vraiment intéressants. Grosso modo. Ils sont juste intéressants pour faire des chain link, en particulier avec Amin, qui a un effet qui se déclenche lorsqu'il touche le cimetière. En dehors de ça, c'est pas vraiment fou. Parmi les autres monstres, il y a les monstres de niveau 8. Alors ici, il y en a deux. Il y a Ogre, qui en gros permet de la En gros, on l'envoie au cimetière depuis le terrain ou la main, et on ajoute un monstre punk depuis le deck, qui n'est pas un niveau 8. Important, parce qu'on peut du coup pas ajouter le deuxième, qui est Foxytune. Son effet sur le terrain est toujours intéressant. C'est une fois par tour, lorsque l'adversaire active un effet de monstre, on peut rendre l'attaque de cette carte égale à l'attaque du monstre qui a activé son effet. Donc c'est toujours bien pour la booster, entre autres. Enfin, c'est pas la rendre, c'est gagner l'attaque. Excusez-moi. Et en plus de ça, on peut l'invoquer spécialement de la main en sacrifiant un punk. C'est toujours bien si vous avez besoin d'un niveau 8 sur le terrain. Mais le principal effet, c'est de pouvoir l'envoyer depuis la main au cimetière pour tuto n'importe quel monstre punk. Généralement, vous allez chercher Amin. Foxytune. Condition plus ou moins similaire que Ogre, c'est-à-dire que vous pouvez l'envoyer depuis le terrain... Vous pouvez elle-même l'envoyer depuis la main ou le terrain au cimetière. Et ensuite, lorsque l'effet se résout, vous envoyez une carte depuis votre main au cimetière, et ensuite vous invoquez un monstre punk depuis votre deck qui n'est pas niveau 8. Donc pareil que pour Ogre, généralement vous allez invoquer des monstres ici de parmi les petits. Généralement pas Amin, et je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite vous avez Dearnote, qui est une nouvelle qui est sortie dans l'avant-dernier booster, si je ne dis pas de bêtises, qui est en gros un extender de niveau 5. Elle peut s'invoquer spécialement depuis la main en révélant un autre punk, et ensuite il sera envoyé au cimetière, l'autre punk. Et si Dearnote touche le cimetière, vous allez pouvoir réinvoquer un punk depuis le cimetière qui n'est pas niveau 5. Donc ça, c'est un effet extrêmement fort. Donc voilà, les punks, ce sont des monstres qui vont généralement se chercher les uns les autres et faire des extends assez facilement, en particulier grâce à Dearnote, qui est elle-même un new extender, et en plus de ça, fait revenir un monstre depuis le cimetière. Il y a la carte piège, les cartes pièges punk. Je vais l'afficher les autres parce que je ne joue que celle-ci actuellement. Donc il y en a deux. Il y a Surprise. Je crois que c'est ça. C'est Nashiwari Surprise. Ne me jugez pas sur la prononciation des noms, s'il vous plaît. La carte, elle dit qu'elle va cibler une carte qui est posée et la détruire. Et si vous contrôlez un monstre punk, vous allez pouvoir cibler une carte qui est face recto. Je préfère jouer cette carte-là au lieu de Gabou, dangereux Gabou. Je sais pas comment on dit ça, excusez-moi. Gabou, elle annule un effet de monstre. Et en plus de ça, vous allez gagner des points de vie. Je préfère jouer cette carte pour la simple et bonne raison que cette carte-là, elle gère Mystic Mine. C'est simplement pour ça. Donc je préfère jouer cette carte aussi. Je regarde ce que vous mettez. Pouvoir jouer téléporteur d'urgence dans ce deck, c'est fort. Ouais, bah oui. Effectivement, ce deck-là, effectivement, est un deck qui peut abuser de téléporteur d'urgence. D'ailleurs, il faut savoir que téléporteur d'urgence a toujours été une carte problématique dans tous les formats où elle a été présente x3. Pour moi, ça a toujours été un problème, cette carte. Il faut vraiment la bannir. Cette carte-là, elle doit vraiment être banne, hein, quoi qu'il arrive. Parce que c'est des monstres psychiques de niveau 3, on rappelle, donc on peut les invoquer avec téléporteur d'urgence. Carte qui n'est pas une fois par tour, qui est une magie rapide, donc on peut les invoquer pendant un tour adverse. Enfin, cette carte est fumée. Dernière carte punk, pas des moindres, c'est la carte terrain, qui est pour moi la carte qui rend le deck vraiment plus broken qu'il l'était déjà auparavant. Une fois par tour, vous pouvez bannir une carte punk depuis le cimetière, invoquer spécialement un punk depuis la main. Donc déjà, c'est une fois par tour, donc si vous avez activé plusieurs copies du terrain, vous allez pouvoir faire plusieurs fois cet effet. Mais surtout, le deuxième effet, mon dieu, le deuxième effet qu'il est cheaté. Si un monstre psychique que vous contrôlez paye des points de vie pour activer son effet, vous pouvez piocher une carte. Cet effet est débile. Et surtout, vous ne pouvez utiliser cet effet de punk que deux fois par tour. Notez bien ça, c'est deux fois par tour cet effet. Donc en gros, la carte, elle s'appelle Pot de Cupidité. Cette carte s'appelle Pot de Cupidité. C'est un Pot de Cupidité que vous allez pouvoir tuto avec Wagon.
c'est débile. C'est absolument débile. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a énormément de entrap dans le deck. Pour la simple et bonne raison que vous allez faire Pot Cupidité devant votre tour. Et en plus de ça, vous allez pouvoir le faire pendant le tour adverse grâce aux effets rapides de certains punks qui payent des points de vie. Donc vous allez piocher littéralement 4 cartes en 2 tours. D'où le fait de piocher des entraps. Ce qui est extrêmement intéressant, évidemment, de les piocher pendant le tour adverse. Il y a la présence ici de Roshi qui permettra du coup de sortir des synchros ici plus facilement. En particulier la synchro 11 qui est vraiment très très forte à sortir pendant le tour adverse grâce notamment à Sharakusai. Et donc la combo, je vais vous présenter la combo. Une simple one card combo. Enfin, deux cartes combo ici parce que j'ai besoin de défausser un truc. Voilà. La combo principale c'est celle-ci. Qui est vraiment insane, vous allez voir. Donc je commence simplement avec Amine et une carte à défausser. Je demandais pas plus. Même téléporteur d'urgence, une carte à défausser, ça marche aussi. Donc vous allez faire ça. Vous allez invoquer Amine. Vous allez faire son effet payer 600. Allez ajouter un monstre punk depuis le deck à la main. Ici, vous allez ajouter Foxy Tune. Très important de rajouter Foxy Tune. Car vous allez faire son effet tout de suite. Donc invoquer spécialement un punk qui n'est pas niveau 8 depuis le deck. Donc vous la défaussez. Vous faites son effet, vous envoyez une carte depuis la main au cimetière. Donc ici, la carte que j'avais en main, que j'avais besoin de défausser. Et vous allez invoquer ici, pas Dear Note. Généralement, il y en a beaucoup qui invoquent Dear Note pour faire directement une synchro 8. Ici, plutôt pour faire la combo, vous allez invoquer Sharakusai. Sharakusai, son effet, c'est invoquer Fusion pendant votre tour et invoquer Synchro pendant le tour adverse. Donc ici, vous allez invoquer Fusion. Vous allez payer 600. Et vous allez fusionner le monstre Punk Fusion. Vous n'activez pas l'effet de Amine ici dans le cimetière, ce n'est pas intéressant. L'effet de Amine dans le cimetière, c'est de faire gagner des points d'attaque à un monstre punk qu'on contrôle. C'est pas vraiment intéressant dans le cadre du combo. Donc Rising Carp, donc la carpe ici, qui est un monstre fusion qui demande deux monstres punk, a comme effet de pouvoir se sacrifier pour invoquer deux monstres punk depuis le deck qui ont des noms différents, ou aussi de la main, et qui ne sont pas niveau 8. Donc en gros, on va invoquer le niveau 3 et le niveau 5. Et en plus de ça, si elle est utilisée pour un matériel ou pour un monstre synchro, on peut cibler un monstre punk qu'on contrôle et il peut attaquer deux fois ce tour-ci. C'est toujours un effet intéressant à prendre en compte. Donc ici, on va faire son effet, la sacrifier et invoquer deux depuis le deck. Donc on va invoquer Wagon et on va invoquer Dear Note. Vous allez me dire, mais pourquoi je fais ça? Je reviens à la même situation qu'avant, non? Ben non, parce qu'ici, on va faire l'effet de Wagon, évidemment. Payer 600 pour aller chercher. Ici, c'est une magie. Lui, on rappelle, c'est une magie qu'il va chercher. Donc on va chercher le monstrueux terrain. Et on va l'activer tout de suite. Ici, on va faire une synchro 8. Hein, donc, un tuner niveau 3 plus un niveau 5, on va faire synchro 8. Et on va invoquer la nouvelle synchro punk qui est sortie dans le nouveau booster avec le terrain. C'est ça, les deux nouvelles cartes hein, qui sont sorties dans Powers of the Element. Ce sont ces deux-ci. Et c'est parti pour les chain link. Du coup, ici, vous allez voir l'effet de Punk Jam Dragon Drive. Je sais plus comment il s'appelle en français. Il demande un psychique tuner et un non-tuner. Donc, il est assez facile à invoquer. Son effet, c'est lorsqu'il est invoqué spécialement, soit par synchro, soit spécialement par un effet de monstre punk, enfin, l'effet d'une carte punk, excusez-moi, vous allez pouvoir payer des points de vie, 600 en l'occurrence, et prendre un psychique niveau 3 puis le deck. Je dis bien un psychique niveau 3. Ça veut dire que vous pouvez aller chercher Ghost Ogre et l'ajouter à la main ou l'envoyer au cimetière. Donc ça, c'est son premier effet. Déjà, le fait que vous puissiez aller chercher Ghost Ogre, c'est débile, c'est fort, c'est n'importe quoi. Et en plus de ça, son deuxième effet, c'est si l'adversaire active un effet de carte en réponse à une carte punk, ouais, à un effet ou une carte, hein, et pendant qu'elle est dans le cimetière, cette synchro, vous allez pouvoir invoquer spécialement la synchro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir redéclencher son premier effet, parce qu'elle a été invoquée par l'effet d'une carte punk. Donc, repayer des points de vie pour aller rechercher un psychique niveau 3. Donc ici, vous allez payer des points de vie, et vous allez faire en chaîne un niveau 5 qui permet de faire Monster Reborn sur un monstre punk, qui n'est pas niveau 5. Donc on l'active. Et ici, il va être important de récupérer Sharakusai. Donc ici, on invoque Sharakusai. On l'invoque, en mode défense. Hein. Donc on a payé des points de vie. On va aller chercher ici... on peut aller chercher Ghost Ogre si on a envie, hein, mais là, on va aller chercher Spider. Et on l'ajoute à la main. Et là, étant donné qu'on a payé des points de vie pour l'effet d'un monstre punk, bah, l'effet du terrain s'active, on va pouvoir piocher une carte. Hop, voilà, on a pioché une carte, tranquille. Maintenant, on fait l'effet du terrain, le premier effet, de bannir une carte punk depuis le cimetière. Je vous conseille généralement de bannir Dear Note, mais il y a peut-être d'autres cibles intéressantes. Mais moi, je vous conseille de bannir Dear Note. Vous allez invoquer du coup spécialement Spider que vous avez été tuto. Vous allez faire son effet, elle va chercher les pièges. On paye 600.
Et on va chercher le piège, l'anti-mystic mine là, dont on parlait. Et étant donné que j'ai à nouveau payé des points de vie et que cet effet-là c'est deux fois par tour, bah on va pouvoir refaire son effet et repiocher une carte. Et ça c'est déjà un board, voilà. Fin de tour là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous finissez avec deux cartes piochées. Vous avez une carte que vous avez été tuto à piège qui permet de détruire une carte face recto ou verso, à votre choix, parce que vous avez comme suffisamment de monstres punk. Pendant le tour adverse, vous allez pouvoir faire l'effet de Charakusai, payer 600, et faire une synchro en effet rapide. Donc vous allez invoquer soit Psychic End User, si vous avez besoin de vous défendre, soit Amazing Dragon, qui permet du coup, lui, lorsqu'il est invoqué synchro, de cibler des cartes adverses au nombre de psychiques niveau 3 dans votre cimetière et de les renvoyer en main. Donc ici vous en aurez en l'occurrence 3 dans le cimetière, 4 en l'occurrence avec Spider qui est sur le terrain. Ça compte terrain et cimetière cette carte. Donc vous allez pouvoir renvoyer 4 cartes du terrain adverse dans sa main. J'ai pas besoin de vous expliquer à quel point c'est fort. L'autre effet de la carte c'est que c'est un effet non rapide. Non rapide hein, j'y viens. Vous allez cibler un monstre punk dans le cimetière et l'invoquer spécialement. C'est toujours bien pour invoquer une Dirnote par exemple. Peut-être pas bannir Dirnote du coup, peut-être bannir... comment elle s'appelle? Foxy Tune. Donc voilà, vous allez pouvoir faire effet synchro rapide là, et aller compulser les cartes. Et si l'adversaire ose, activer un effet en réponse, bah, vous allez pouvoir activer l'effet de la synchro ici dans le cimetière, l'invoquer spécialement. Et du coup, effet de son premier effet, vous allez déclencher, repayer des points de vie, aller retuto Ghost Ogre. Et en plus de ça, vous allez repiocher une carte avec le terrain. Vous allez piocher une carte avec le terrain ici sur Charakusai. Et vous allez pouvoir piocher une carte à nouveau avec Dragon Drive si l'adversaire active quelque chose sur un psychique. Enfin, sur un punk, pardon. J'ai pas besoin de vous dire à quel point c'est débile tout ce qui se passe là. Donc voilà, ça c'est punk. C'est actuellement punk, c'est... Voilà, c'est exactement le mot, ce synopsis 59. C'est extrêmement solide. C'est extrêmement solide comme board. Le deck est vraiment fou, hein. Donc voilà, ça c'était la combo principale. Mais on peut faire plus, hein. On peut très bien faire plus. Là, je me suis arrêté là-dessus. Mais on peut très bien faire plus. On peut très bien faire Lambda, par exemple. On peut très bien faire Alkifibrax aussi. Je sais pas, par exemple, on fait Alkifibrax avec... je sais pas, on va dire ces deux-là. Vous allez faire son effet. On peut invoquer, je sais pas, moi, on peut invoquer une Amine. Et si, par exemple, vous y aviez invoqué... comment il s'appelle? Si vous aviez invoqué un Psychic and Dragon, un Chaos Roller, par exemple. Je vais dire Psychic and Dragon, Chaos Roller, excusez-moi. Si vous avez invoqué Chaos Roller, vous avez une niveau 8. Vous allez pouvoir meuler des cartes. Vous allez pouvoir le Reborn. Vous allez pouvoir faire le Vampire. Vous allez remeuler des cartes. Vous allez pouvoir faire une Baronne si vous en avez envie. Vous pouvez faire des Synchronis assez facilement, hein. Parce qu'il existe... attendez, il manque un Tuner 2, là. Ah bah non, excusez-moi, le Tuner 2, c'est Formula Synchron. Excusez-moi, j'avais oublié qu'il y avait Formula Synchron, vous pouvez invoquer un effet rapide avec Alkifibrax si vous en avez envie. Donc voilà. Là, j'ai pas été plus loin parce que, grosso modo, le play optimal pour moi, c'est de terminer avec ce que j'avais avant, c'est-à-dire Charakusai, la Synchro 8 et Amine. Mais vous pouvez faire plus, hein, en fonction des cartes que vous piochez. Vous pouvez largement faire plus. Vous pouvez très bien invoquer Gamma aussi, avec Alkifibrax. Si vous invoquez un Chaos Roller et Gamma avec Alkifibrax, bah vous avez votre Baronne. Donc voilà, il y a plein de possibilités. C'est extrêmement solide. C'est vraiment incroyable. Le point faible du deck, je dirais que c'est Foxy Tune. S'il y avait un moment pour interrupter la combo, par exemple une Floraison de Sand sur Foxy Tune, c'est très très fort. Floraison de Sand là-dessus, c'est le meilleur moment, je pense. Si elle passe Foxy Tune, ça va être très difficile de revenir. À la limite, Floraison de Sand sur la fusion, ça peut être intéressant aussi. Ouais, c'est peut-être même plus intéressant de le faire sur la fusion. Pas forcément, non. Je pense que c'est mieux sur Foxy Tune. Parce que comme on a pu le voir, si vous le faites, pas sur Foxy Tune, l'adversaire, il existe un monde où il invoque Dirnote tout de suite. Et du coup, il peut commencer à extend avec Chaos Roller, et faire Dirnote, faire revenir la synchro du cimetière, enfin, un tuner du cimetière, et il pourrait extend tout de suite. Mais voilà, là je vous ai expliqué la one card combo avec Punk. Et c'est pas étonnant que Pac ait terminé premier à son tournoi. Ce deck là c'est vraiment du solide. Le fait de pouvoir aller tuto Ghost Ogre dans un format où Splite est très fort. Et que Ghost Ogre est une excellente carte pour contrer Splite. Enfin c'est une bonne carte, je vais pas dire une excellente mais c'est une très bonne carte. Aller tuto Ghost Ogre, il n'y a pas beaucoup de decks qui peuvent se le permettre, hein.
Donc, et un deck qui permet de jouer ici 15 entrap. 15? J'ai bien compté? Attendez. Est-ce qu'il y a vraiment 15 entrap? Je crois que de mémoire, en plus, il joue un permanence. Hein. Je crois que j'ai fait un mismatch dans mes entrap, mais il me semble qu'il jouait un permanence dans son deck. Donc, il jouait peut-être pas Nibiru, je me souviens plus. Faudrait que je revérifie. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 entrap. 15 entrap. Et j'ai pas parlé d'Orochi, évidemment. Hein. J'ai pas parlé d'Orochi, qui est un excellent extender de niveau 8. Qui du coup permet de faire des baronnes, de faire les sacros 11, de faire la Sword Soul ici. Donc je sais plus comment il s'appelle. Shen Ying, voilà. Donc extrêmement solide comme deck. Et j'en viens du coup maintenant à Tiermentation. Avec ma version Tiermentation actuelle qui prend en compte cette combo en fait, tout simplement. Donc Tiermentation Punk, voilà. Du coup Tiermentation Punk. Donc comme je vous l'ai présenté ici avec la combo avec Punk, ça permet de piocher des cartes. Ici j'ai volontairement construit un build qui est capable de sortir la combo que je vous ai présentée juste avant. Je vais la représenter ici parce que je vais sans doute faire deux vidéos différentes pour Tiermentation Punk et Punk tout court. Donc cette combo là. Ici on va faire juste faire une main de test en fait. Le mieux ça va être de faire une main de test. Voilà. Donc ici on va faire une main de test. On va faire téléporteur d'urgence. On invoque Amine. On fait effet d'Amine. On va chercher. Normalement, on est censé aller chercher Foxy Tune. Mais étant donné qu'on l'a déjà en main, bah, ici, on va aller se permettre d'aller chercher Ogre. On fait effet de Foxy Tune. On va défausser elle-même et envoyer une carte de notre main au cimetière pour invoquer, du coup, Charakusai, dont on parlait. Effet de Charakusai, payer 600. On va invoquer Fusion, la carpe. On fait pas l'effet ici, on fait l'effet de la carpe. On invoque Wagon et Dirnot. On fait effet de Wagon, on va chercher le terrain. On active le terrain tout de suite. Et là on invoque Synchro 8, le Dragon Dive. Dragon Drive ? Dragon Drive plutôt. Chaîne 1, chaîne 2. Chaîne 2, la Dirnot. Et on va invoquer Charakusai comme on l'expliquait. Voilà. Et là, on va tuto Spider. On l'ajoute à la main. Et on va piocher une carte avec Extrême Session. On pioche 1. Voilà. On fait son effet. On va bannir ici. Je parlais de Dirnot. Et on va invoquer Spider. Effet de Spider. Paye 600. Et on va chercher la piège. Et on va repiocher une carte avec Extrême Session. Et là maintenant, on joue avec les tiermentations. Donc c'est parti. Avec les cartes qu'on a. En fait, un énorme avantage de cette version. Un énorme avantage de cette version, c'est qu'en fait, la combo avec les punks, elle vide énormément le deck des punks. Du coup, les cartes qui restent, c'est soit les free spots généralement, soit les tiermentations. Et du coup, vous avez une énorme probabilité de toucher vos tiermentations. Sachant qu'ici, j'ai fait la combo avec téléporteur d'urgence. Donc, rien ne m'empêche de juste invoquer normal Rhino Heart si j'en ai envie. Donc, on va faire ça. On va invoquer normal Rhino Heart, on fait son effet. On va envoyer un tiermentation depuis le deck au cimetière. Ici, en l'occurrence, Meiru. On fait son effet. Et du coup, ici, au choix, on peut invoquer Garura. Je fais volontairement des trucs peut-être pas forcément optimaux, hein. Mais du coup, ici, par exemple, je peux faire Alkifibrax avec, on va dire avec Garura et Madame Spider. Du coup, effet d'Alkifibrax en chaîne 1, effet de Garura en chaîne 2 pour piocher une carte, par exemple. On repioche une carte. On invoque le Shinobi depuis le deck. Là, je peux faire une Synchro Baronne aussi, maintenant, du coup, grâce à ça. Hop. Et du coup, maintenant, je peux continuer avec Shailen. On l'invoque spécialement, on meule. Et on meule des cartes. Bon, ici, en l'occurrence, j'ai pas meulé de tiermentation. Mais je pourrais faire d'autres choses ici. Hein. J'ai meulé Snow ici, cependant. Donc, et en plus de ça, j'ai toujours la synchro que je peux activer ici pendant tour adverse. Hein. Donc voilà, c'est des petites présentations de combos, mais pas forcément optimaux. Hein. Ça, c'est à vous de trouver. Il y a aussi à vous de trouver les combos à ce niveau-là.
Mais en gros, le principe, c'est de vider le deck de Punk, de piocher masse de cartes en même temps, d'avoir un board quand même relativement correct en cas d'interruption, et de continuer ensuite avec les tiers-mentations. Ça, c'est le but. C'est le but que j'ai. Oui, en plus, derrière, j'ai encore super poly, je peux piocher des... Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas de N-trap dans le deck. Mais j'ai super poly, j'ai Baron, je peux faire effet rapide Alkifibrax, invoquer ici Shooting Riser, qui a normalement pour but de balancer Snow au cimetière, mais en l'occurrence ici c'est pas le cas. Donc voilà, c'est y a des possibilités, il y a plein de possibilités. Je pense qu'ici le play optimal, au lieu d'invoquer le Garura, c'était d'invoquer Kid Kalos. Hein. Clairement le mieux c'était d'invoquer Kid Kalos, aller chercher un piège, puis faire éventuellement l'effet de Kid Kalos, s'envoyer lui-même au cimetière. Dans le pire des cas, je le détruisais lui-même avec PL Rhino, du coup j'envoie au cimetière et je retrigger, je me le 5. Voilà, il y a plein de possibilités, il y a vraiment énormément de possibilités. Donc voilà, le but ici c'est vraiment d'abuser de la combo des punks pour vider le deck et piocher de manière optimale les tiers-mentations. Ça c'est vraiment le but. Cependant, je pense que la version ici est peut-être encore un peu à corriger, surtout au niveau de l'extra deck. Je pense par exemple que Shooting Razor peut dégager. J'ai viré un Kid Kalos, il y a beaucoup de versions qui jouent deux Kid Kalos, mais je pense vraiment ici que dans la version avec les punks, je pense qu'un seul c'est suffisant. Il y a tellement peu de place dans le deck, dans l'extra deck pardon, que même enlever un Kid Kalos c'est tout à fait légitime pour gagner une place et mettre des synchros intéressantes. Faut bien comprendre aussi que Tiermentation a une énorme faiblesse, par exemple j'en vois beaucoup qui jouent avec les Branded, mais pour moi c'est une erreur. Je n'aime pas du tout la version Branded, dans le sens où ça se fait facilement contrer, étant donné que tu ne peux faire que des fusions, et du coup si tu prends barrière dimensionnelle par exemple, t'es complètement bloqué. Là où ici avec les versions avec les punks, ben, si t'es bloqué avec les fusions, tu peux faire les synchros, et vice versa. Si t'es bloqué avec les synchros, tu peux faire les fusions. Donc à ce niveau-là, on est beaucoup plus libre de nos mouvements avec la version punk. Sachant que il ne faut pas oublier que voilà, Foxy Tune, son effet de s'envoyer au cimetière et d'envoyer une carte de la main au cimetière, c'est un effet ça. La partie envoyée depuis la main au cimetière, c'est un effet. Du coup, ça trigger les effets des tiers-mentations. Donc ne pas oublier ça. Autre chose en revanche à dire, ça je pense, c'était une erreur de ma part. Mais au début quand je construisais ce build en fait, je m'étais dit, c'est plutôt cool de jouer cette version en me disant, je peux faire effet de Charakusai, effet synchro rapide. Et utiliser les tiers-mentations comme matériel de synchro pour trigger leurs effets, parce que je m'étais dit, ils sont envoyés au cimetière par un effet de carte, en l'occurrence ici l'effet de Charakusai. Donc je me dis, ça va trigger leurs effets. Mais j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'apparemment ça ne marche pas, parce qu'apparemment l'effet de Charakusai, c'est pas d'envoyer au cimetière, l'effet ça permet juste de faire une invocation synchro. Et l'invocation synchro n'envoie pas au cimetière par un effet de carte, par mécanique de jeu. Et pareil pour Mask Arena. Au début je jouais Mask Arena, Hip, donc Hip Mask Arena, je la jouais dans l'extra deck. Pour cette même logique, mais apparemment ça ne fonctionne pas. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps, mais ça ne fonctionne pas du coup. Donc je vous le dis vraiment, c'est faites attention à ça. J'ai pas vraiment essayé avec la mécanique de Edo Pro, j'ai pas encore essayé, mais il paraît que ça ne fonctionne pas. Donc faites attention à ça. Mais ceci dit, rien ne vous empêche d'activer l'effet de Charakusai et de synchro rapide avec un niveau 8 et de sortir un Amazing Dragon qui va balancer 4, hein, qui va rebounce 4, pardon. Sinon, un autre truc à dire, un autre combo, si jamais. On va recommencer, hein. Donc on va faire juste téléporteur d'urgence, par exemple. Avec une carte à défausser, évidemment. Disons une brique. Dark Color No More, voilà. On va pas mélanger le deck et on va recommencer. Il y a une autre combo, en plus de celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Vous faites téléporteur d'urgence, vous invoquez Amin. C'est toujours plus ou moins la même chose à ce niveau-là. Effet d'Amin. Vous allez chercher votre Foxy Tune. Effet de Foxy Tune. Invoqué spécialement, voilà. Et ici, généralement, le mieux, je préfère quand même d'invoquer Charakusai. Mais vous pouvez très bien invoquer la niveau 5 tout de suite. Hein. C'est pas le meilleur, mais c'est peut-être mieux de sortir ce que je vais faire maintenant, en fait. Donc, on active la synchro. Et on va invoquer, pareil que tout à l'heure, la niveau 5 et wagon. Effet de wagon pour aller chercher le terrain. Hop, donc extrême session. J'ai les cartes en anglais parce que je les ai là sous les yeux, je ne connais pas exactement leur nom en français, mais sachez que ça c'est dans Powers of the Element, ça c'est dans le booster juste avant, et les punks, bah, les premiers punks sont sortis dans leur booster, c'est dans Tactical Master je crois. Du coup,
Une combo que vous pouvez faire, ce n'est pas de sortir Dragon Drive, mais de sortir plutôt Chaos Roller. Du coup, là, vous faites l'effet de Chaos Roller chaîne A. Vous faites l'effet de dire notre chaîne 2. Vous invoquez un tuner, Charakusai. Et vous meulez 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Excusez-moi. Vous ajoutez un monstre Light ou Dark. Ici, je vais prendre... le mieux, c'est de prendre Ogre. Donc ici, vous allez trigger des effets. Vous allez trigger, par exemple, Beast, chaîne 1 pour piocher une carte. Et chaîne 2... chaîne de Shailen. Et vous allez invoquer Dragospelia. En mélangeant du coup Shailen et Rising Carp. C'est pour ça que j'adore l'envoyer au cimetière. C'est que si vous balancez n'importe quelle tiermentation, vous avez votre prêt à plante. Et ça, c'est incroyable. Voilà. Et là, vous piochez une carte avec Dragon. Avec... avec Beast. Ensuite, vous faites Alkifibrax avec ses deux aussi. Vous faites son effet. Vous invoquez Shinobi Necro. Et là, vous faites Splite Elf avec ses deux aussi. Et ensuite, vous faites Chaos Roller. Vous bannissez Shinobi Necro, très important. Et Foxy Tune. Vous l'invoquez spécialement. Effet de Shinobi Necro. Quand il est banni. Shinobi Necro. Excusez-moi. Shinobi Necro, lorsqu'il est banni depuis le cimetière, si cette carte est dans le cimetière est bannie pour activer un effet, on peut l'invoquer spécialement. Mais il est banni quand il quittera le terrain. Et du coup, là, vous allez faire Baron. Voilà. Tout simplement. Là, j'ai balancé une Snow au cimetière en plus de ça, donc je peux extend avec Shailen si je le souhaite. Mais voilà, normalement, le board que vous terminez, c'est censé être Sprite Elf plus Baron au minimum. La Spalia ici, elle a été invoquée parce que j'ai eu la chance de meuler une tiermentation, mais c'est pas du tout improbable d'en meuler une. Hein. Donc voilà, ça c'est la deuxième combo possible. Par rapport à la première version qui piochait plus des... qui allait plutôt piocher des cartes et qui allait jouer en fonction de ce que je piochais. Je préfère la première version à titre personnel. Je préfère piocher les cartes et essayer de me sortir la synchro qui boons 4 pendant le tour adverse. Je trouve ça incroyable. Et repiocher une carte en plus de ça, si j'ai pas la magie tiermentation. Mais je préfère piocher, mais je préfère la première version dans le sens où pouvoir piocher et éventuellement le terrain tiermentation, c'est tellement bien que je préfère la première combo. Mais la deuxième combo ici existe et elle est tout à fait intéressante. Tu penses que Punk va être touché à la banlist potentiellement un jour, oui, mais pas tout de suite. En fait, j'en ai discuté avec une connaissance il n'y a pas longtemps. Mais Punk, en fait, Punk, c'est l'orcuste du moment. C'est-à-dire que c'est un archétype qui se place... extrêmement bien dans beaucoup de decks. Il n'y a pas de restrictions sur leur mécanique. Et du coup, ça se splash absolument partout. Et ça permet de sortir des cartes qui sont abusées comme Chaos Roller. Je pense que Chaos Roller, lui, va se faire toucher à la ban. Ça, c'est une carte qui est débile, qui ne devrait pas exister. Hein. Le fait qu'elle puisse meuler 5, générer du carton vintage et revenir d'elle-même, c'est trop fort. En plus de ça, elle a un niveau qui est extrêmement polyvalent, c'est-à-dire le niveau 8. Et elle n'a même pas de restrictions sur ses conditions d'invocation. Donc, cette carte, elle doit dégager. Le Chaos Roller, il doit dégager un jour ou l'autre. Ça me rappelle comment qu'il s'appelle l'Axis Dragon qui permettait de balancer 3 dragons depuis le deck au cimetière, je crois, qui a été ban. Ça me rappelle vraiment cette carte-là. Punk, c'était grand créateur. Ouais, voilà, c'est ça. C'était avec les grands créateurs, avec les brefs. Non, c'est pas avec les brefs, si. C'est avec les brefs. C'est possible. Ouais, Chaos Roller, il fait vraiment tout. Hein. Mais quoi qu'il en soit, vous avez pu voir que même si Chaos Roller se fait ban, bah, il y a toujours la première combo qui existe. Il y a toujours la première combo qui existe parce que je la sortais, la première combo sans Chaos Roller. Hein. Là, c'est une combo avec, mais il existe une combo sans qui est tout aussi forte, voire même peut-être même plus forte. Donc ça dépend de la vie des joueurs. Je pense que la première combo est de toute façon, quoi qu'il arrive, meilleure de la version pure Punk. Mais dans une version tiermentation, les deux sont bien. Donc voilà, ça c'était pour la partie Punk tiermentation. Je vous explique à peu près ce qu'il faut faire. La partie tiermentation, c'est juste sortir un board encore plus débile. Hein, avec à base de Spellia qui va recycler par exemple la Fusion Punk, le Kit Kalos qui permet d'aller chercher les pièges, Kaido Earth qui permettra de renvoyer des cartes dans le deck. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de grosses surprises au niveau des tiermentations, c'est juste sortir les fusions qui sont tous des win conditions les unes par rapport aux autres. À la limite, il y a Garura qui est intéressant pour repiocher une carte supplémentaire, mais qui est surtout là pour être une target à super polymérisation.
que je trouve plus forte que Droplet actuellement. Dans le format actuel, je trouve ça plus fort que Droplet. Étant donné que les sprites, par exemple, ils ont une tendance à invoquer Todoli. Et je trouve qu'ils ont qu'il y a une erreur dans Sprite. Je trouve qu'il y a une erreur. Pour moi, Sprite, il ne devrait pas invoquer avec, avec Crapaudilic. Il y en a beaucoup qui ont une tendance à faire Crapaudilic effet et invoquer la grenouille depuis le deck. Mais je trouve que c'est une erreur parce que du coup, tu donnes une target à Super Polymérisation. Alors que si tu restes juste sur Sprite Elf et Crapaudilic, bah, Super Polymérisation, tu peux pas la faire. Et ça, je trouve que c'est une erreur du coup d'invoquer la grenouille. En tout cas, à mon sens, c'est pas débile de l'invoquer parce que ça fait du card advantage, mais Super Poly, ça existe, et maintenant qu'il y a Garoura, bah, invoquer la grenouille, c'est peut-être pas forcément le meilleur. Sprite, Kappa Sprite. Ouais, non, effectivement. Donc faites attention à ça aussi avec Sprite. Donc c'est pour ça que, que j'aime bien jouer Garoura. Ça permet de contrer ceux qui font l'erreur de Sprite d'invoquer une grenouille. Sinon, les cartes qui permettent de contrer Sprite, il y a Pancratops, il y a Alpha, c'est des très bonnes cartes pour contrer les grenouilles, pour contrer Sprite. Chaos Ruler, excellente carte dans le format, évidemment, comme vous pouvez le voir avec les boards que je sors, c'est vraiment fou. Super Poly, toujours une très bonne carte aussi. Vraiment, je pense que la version-là, elle tient la route. Hein. Il n'y a peut-être pas d'Untrap, mais on ne craint pas les boards à base de Super Poly et Dark Ruler, donc on est là, ils sont là pour ça. Et soit vous touchez votre... votre engine punk à base de Amine ou téléporteur d'urgence, soit vous touchez votre base tiermentation et vous jouez avec les tiermentations. Vous pouvez d'ailleurs voir que je ne joue que deux Rhino Heart et c'est tout à fait normal. Je trouve que Rhino Heart x3 c'est trop. C'est une excellente carte, hein, c'est une excellente carte. Mais dans la version actuelle, ben, on n'a pas envie de le Normal Summon en fait. Ce qu'on a envie de Normal Summon, c'est Amine. On a tout à fait envie d'invoquer Normal Summon Amine et c'est d'ailleurs pour ça que je joue deux Ogre, ça permet d'aller le chercher. Je pourrais jouer 3 Amine, hein, mais je préfère jouer 2 Ogre et 2 Amine. Je trouve ça plus polyvalent que 3 Amine. Parce que ça permet d'aller chercher autre chose. Et en plus de ça, si on a Dirnote en main, bah Dirnote, on a envie de le révéler un autre punk que Amine. Parce qu'Amine, on va l'invoquer normalement. Donc Ogre, c'est très très bien. Donc voilà, c'est pour ça que je joue que 2 Rhino Heart. C'est parce qu'il y a une Normal Summon qui est plus forte que lui à ce niveau-là. Et je pense que niveau de la decklist, on est OK. Hein. Oui, hein, c'est ça, la decklist, elle est OK. Hein. Je pense que vous pourrez vraiment vous inspirer là-dessus. Au début, je jouais Droplet ici. Mais c'est tellement plus polyvalent, super poly. Surtout dans le format actuel où on va avoir des terres partout. Du coup, là, les Dragospelia seront gratuits. Le Garoura, c'est complètement gratuit avec super poly. Parce que la carte va nous faire piocher. Surtout encore plus si vous avez Garoura et en plus vous briquez, vous avez Shinobi et Croix Main. Dans le pire des cas, vous pouvez l'invoquer normal. Vous faites Sacroid Chaos Ruler, vous piochez une carte, vous meulez 5. Et ensuite, vous faites revenir votre Shinobi Necro plus tard et vous avez votre Baron. Donc si vous avez Super Poly plus Shinobi Necro, vous avez full combo. Donc voilà. Je crois que j'ai terminé là-dessus au terme de tuto build. Je séparerai ça en deux vidéos ou une, je sais pas. On verra en fonction du temps que ça prendra. Voilà, voilà. En tout cas, tout ça ira sur YouTube. Soit sous l'archétype, sous la dénomination Tuto Build Punk. Soit en deux vidéos. Une sera Punk et l'autre sera Tiermentation. Donc voilà. On verra bien. Sur ce, je dis. Bah, je veux pas dire ciao. Moi, je continue en live en fait. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire.